les toilettes, manger, c'est tellement de travail que ça vaut pas la peine. On finit par vivre entouré d'étrangers. Y en a qui sont là pour gagner leur salaire, qui poussent nos chaises, nous habillent, nous nettoient. Par chance qu'il y a Joanne, qui est gentille comme une mère, qu'on dirait qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi. Elle verse quelques larmes, quelques fois à ma place, quand il y a une belle âme qui veut bien s'attarder, qui a l'air de comprendre que sous sa carapace, il y a des idées franches et un cœur à aimer. Comme vous, j'ai de l'humour, mais je l'exprime autrement. C'est juste que mes rires peuvent sonner comme des cris. Je contrôle pas le volume de mes longs gémissements. Quant au cinéma, je m'offre une comédie. Je vois toutes ces têtes devant moi qui se retournent. Je voudrais disparaître, mais je suis tellement là. Un chien dont je quitte, un humain qui aboie. C'est toujours à l'horreur que les comédies tournent. Comme vous, je suis émue devant un enfant qui pleure. Comme vous, je suis déçue quand j'écoute les nouvelles. Je me lève soit de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis pas différente en doutant de ma cervelle. Mais puisque c'est cérébral qu'on la nomme, cette paralysie qui est ma tâche de naissance, les gens ne me traitent pas vraiment comme une personne. Ils croient que j'ai mal à mon intelligence. Ils me parlent comme on parle à un chat, une bête, un peu comme ils font avec les vieux séniles. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai toute ma tête, alors que mon corps se tord comme un débile. Des tas de gens oublient qui pourraient me trouver belle si j'étais capable de retenir mes grimaces. Alors je m'interdis de rêver à grande échelle. J'ai que des petits souhaits étouffés par des spasmes. Et oui, je m'appelle Anne, je voulais juste vous écrire. Merci à Joanne d'avoir lu mes pensées et d'avoir pour moi bien voulu lire, transcrire, pour que je puisse enfin à vous tous me confier. Bien sûr, je m'attends pas à ce que cette petite lettre ne trouve de réponse, à l'exception peut-être de quelques regards qui me perceront mieux. Un petit espoir d'être belle à vos yeux. Des tas de gens oublient qui pourraient me trouver belle. Ils font des détours, ils ont peur de ma gueule. Des tas de gens oublient, alors moi je vous le rappelle.